Cette vidéo euh, va présenter une euh, démarche globale d'éducation au développement durable conceptualisée par Lucie Sauvé et ses collaboratrices en quatre étapes. Vous pourrez retrouver cette méthodologie dans l'ouvrage euh, qui apparaît à l'écran sur fond jaune, l'éducation euh, relative à l'environnement. Euh, et euh, je vous ai mis une autre euh, référence bibliographique euh, sur la droite autour de la question de l'habiter, qui complète euh, un peu le propos euh, de cette vidéo. La question de l'habiter, l'exploration du milieu de vie, euh, sont des sujets très engageants euh, pour les apprenants et euh, moteurs pour euh, développer une conscience environnementale et citoyenne. Alors l'étape 1, c'est l'exploration du milieu de vie. Euh, il s'agit là d'une immersion. L'idée c'est de mettre les élèves dans leur milieu de vie avec un, en leur proposant un regard neuf, une découverte un peu nouvelle basée sur des approches globales et holistiques. L'idée c'est de leur de leur permettre de ressentir avec leurs sens les émotions et puis de aussi le rapport du corps dans l'environnement et enfin des connaissances. Euh, voilà, de proposer euh, une approche assez euh, plurielle en fait, du milieu de vie pour euh, le, le découvrir sous toutes ses facettes. Euh, euh, la première, euh, le, la première, euh, le premier point euh, intéressant, c'est de caractériser euh, le milieu de vie pendant euh, cette découverte. Et le deuxième point, c'est de réussir à, à identifier quelle représentation... Euh, les apprenants ont de leur, milieu, de leur milieu de vie et de partager euh, la diversité de ces représentations. Voilà. Euh, et le troisième point, c'est que de ce travail pourrait émerger, peut émerger et émerge de manière euh, euh, ben, fréquente, des questionnements et, euh, des, euh, et des, euh, des problématiques euh, en lien avec ce milieu de vie. Alors, un exemple euh, d'activité qu'on peut mener pour euh, pour mener cette exploration, c'est euh, le rallye urbain. Donc on met les, les apprenants par équipe, quel que soit leur âge, avec un petit sac de collecte, euh, du matériel de collecte, ça peut être euh, une feuille avec euh, des craies grasses pour euh, prendre des empreintes, vous savez, les empreintes euh, de plaques d'égout par exemple, ou euh, des empreintes de textures, de murs, etc. Euh, un, un appareil photo et éventuellement un téléphone pour pouvoir euh, euh, faire des mémos vocaux euh, d'ambiance sonore. Ensuite, euh, on envoie les groupes sur un parcours euh, 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 repéré à l'avance à partir d'un plan. Euh, et euh, et on, ça dure à peu près une heure et demie, deux heures, euh, le, cette étape-là. Ensuite, on se regroupe en salle et euh, on demande aux équipes de retranscrire leur enquête de terrain. Euh, sur une affiche avec un titre et à partir des photos qu'ils ont prises et là on se rend vraiment compte de la diversité des représentations que chaque groupe a pas regardé les mêmes choses et euh, le regard les lunettes avec lesquelles ils ont regardé est vraiment euh, 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 le reflet de de bah, des représentations qu'ils ont sur leur milieu de vie et c'est euh, très enrichissant de partager euh, ça en groupe et de formaliser les questionnements qui ont émergé les problématiques qui ont pu émerger Alors l'étape 2 est celle de l'environnement, un réseau de relations. L'idée après cette exploration, cette immersion, c'est de, euh, euh, de de proposer un travail un plus approfondi de connaissance du milieu de vie autour d'une approche systémique et, euh, et complexe. C'est de, de de permettre aux apprenants de repérer quelles sont les caractéristiques, les composantes de ce milieu de vie et comment ça interagit tout ça euh, euh, dans le système. Euh, donc là, on fait appel en en EDD à la, pensée, euh, à la pensée systémique et complexe. Euh, donc, ça peut se traduire par exemple, euh, euh, soit on approfondit une thématique qui a émergé lors de la phase 1, soit on reste dans quelque chose d'un petit peu plus large, euh, mais pour des publics plus jeunes, il conviendrait peut-être d'être plus euh, sur une approche un petit peu ciblée dans l'étape dans 3, euh, l'étape de l'environnement de des problèmes à résoudre, on est, euh, on est dans une approche euh, euh, réactive euh, par rapport aux, aux problèmes environnementaux qui ont été euh, décelés euh, dans, lors de la phase des phases 1 et 2. Et l'idée euh, c'est vraiment de, 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 de proposer aux élèves de se mettre en action. Pour essayer de trouver par eux-mêmes des solutions aux problèmes identifiés. Donc, par exemple, si dans l'étape 1 ils ont repéré que dans le quartier il y avait des déchets partout, euh, qu'ils ont dans l'étape 2 approfondi le pourquoi, compris les raisons, quels en étaient les acteurs, etc. Dans l'étape 3, ça serait de réaliser une action pour essayer de résoudre ce problème, du ramassage des déchets ou une lettre à la collectivité, etc. Cette euh, étape-là, elle mobilise euh, en EDD euh, la, la pensée euh, critique et euh, la clarification des valeurs, sachant que souvent les problèmes environnementaux ou socio-environnementaux sont liés à des divergences de valeurs des protagonistes. Donc euh, là, c'est amener les enfants à regarder la situation, à essayer de comprendre ce qui se joue, euh, quelles sont les valeurs en jeu, pour essayer euh, de trouver et de proposer des solutions euh, aux problèmes euh, évoqués. L'étape 4, c'est l'environnement des projets pour ma communauté. Donc là, on est plus dans une approche proactive. L'idée, c'est pas de résoudre des problèmes environnementaux et sociaux, mais c'est plutôt d'être force de proposition pour améliorer le milieu de vie. Donc, euh, ça peut être dans la question. Si je reprends l'exemple des déchets, ça peut être par exemple de proposer euh, l'embellissement de la rue, euh, de un projet qui associe des habitants, la collectivité, pour euh, verdir, par exemple, les espaces publics, etc. Donc là, on est plus sur une approche de long terme, multipartenariale, qui nécessite d'être bien euh, dans une dynamique déjà bien installée euh, dans l'établissement scolaire. Alors, quel défi cette méthode relève-t-elle Le défi d'une pédagogie participative. L'idée, c'est que les enfants soient acteurs de leur découverte. Et ça, c'est très euh, engageant euh, pour eux euh, et très euh, structurant pour euh, l'action et pour euh, qu'ils puissent remobiliser des, des compétences plus tard dans d'autres contextes. L'autre défi, c'est de sortir, d'aller explorer. Être dans l'action, euh, c'est plus engageant que euh, d'entendre parler d'un sujet euh, en classe, dans une salle. C'est euh, un autre défi important, c'est la posture d'accompagnement euh, de l'éducateur, de l'animateur, du formateur, de l'enseignant. C'est euh, sortir de la posture de celui qui sait et qui va euh, divulguer un savoir, mais, et, euh, mais proposer euh, plutôt une posture qui va permettre de partir des enfants, de, de la démarche proposée, euh, de la, du chemin qui va être construit et coélaboré avec les enfants. Le quatrième défi, c'est la trans- et interdisciplinarité. Euh, L'idée, c'est que cette méthode mobilise des savoirs qui sont dans plusieurs disciplines et qui, et qui favorisent une approche transversale. On est dans un processus plutôt qu'un résultat. L'idée de cette démarche, c'est vraiment de s'attacher au chemin qui va être parcouru par les élèves et pas à, à là où ils vont arriver. Peu importe qu'on arrive à l'embellissement d'un quartier ou tri des déchets ou, etc. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de rendre lisible le chemin parcouru et l'acquisition de toutes les compétences d'éducation au développement durable qu'on a évoquées. Systémique, complexe, critique, etc. Cette méthode nécessite de prendre le temps. Euh, mais euh, ça peut ne pas être un inconvénient puisque on est dans une approche très transversale et donc euh, ce temps-là, il n'est pas retiré à d'autres matières si on arrive à, à, à associer euh, et à intégrer en fait les contenus du programme scolaire dans ce projet-là. Et enfin, elle aborde une autre euh, donnée importante de l'éducation au développement durable, qui est la clarification des valeurs. Voilà, euh, on a longtemps évoquer tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, en conclusion, cette méthode-là est vraiment très souple, très motivante, très engageante pour les apprenants. Elle, est, euh, elle, elle permet de s'adapter à tous les publics, que ce soit des enfants, des adultes en formation, des adolescents, et à tous les contextes, puisque le cadre de vie et le milieu de vie, c'est euh, euh, propre à, à, chaque, à, chaque, à chaque contexte, à chaque personne. Euh, elle est aussi très souple parce qu'on peut la mettre en œuvre euh, simplement dans l'étape 1, dans l'étape 1, 2, 1, 2, 3, voilà on n'est pas du tout obligé de euh, utiliser toutes les é... enfin, de, de, de mobiliser toutes les étapes pour euh, se mettre en action d'éducation euh, au développement durable. Voilà donc j'espère que ça vous aura donné envie de, de vous y mettre et, et d'expérimenter de, dans votre propre contexte cette euh, démarche là.